pendant qu'on est là, on peut jeter un œil sur les derniers chiffres. Une autre fois. J'ai pas la tête à ça. Pourquoi tu m'as fait venir ? Il y a longtemps que je ne t'avais pas vu. Tu me manquais. T'es sûr que ça va ? François, arrête. C'est pas le moment, je pense déjà à ma reconversion. On est dans une mer de monstres. Si on fait rien, dans 6 mois, tu fermes la boutique. Dans 6 mois, je serai plus là. Attends, je vais faire quoi, moi, si je perds mon travail ? Vivre ? C'est déjà pas mal. Ouais. T'as rien de mieux pour me remonter le moral ? J'ai un cancer. Allez, arrête de déconner, je vais chercher les papiers. Sylvain, j'ai un cancer. J'aurais pu me casser un bras, avoir un accident de voiture. Je bois pas, je fume pas. J'ai jamais fait de mal à personne et pourtant dans 6 mois c'est terminé. Plus d'emmerde, plus besoin d'être poli et plus de factures. À la fin, tout le monde pleure, on apporte des fleurs, on boit un coup et la vie continue. Le cancer, c'est plus long. Mais ça a du bon. On a le temps de fermer les boutiques, de tout ranger. On peut dire ce qu'on n'a jamais osé dire. Et on plie les boules. C'est bientôt la fin, Sylvain. Hey, t'es pas malade ? Tire pas cette tronche. Personne n'est au courant ? Non. Même pas ta femme ? Non, personne à part toi. C'est pour ça que je vous ai tous réunis. Pourquoi t'en as pas parlé avant ? Je voulais pas que les gens me regardent différemment avant de crever. Tu me regardes plus normalement. Je te regarde, c'est tout. Non. Depuis que tu sais, tu me regardes tout bizarre. Et t'as plus rien à me dire. Mais si, François. C'est juste que ça me fait de la peine. Il y a de la tristesse au fond de tes yeux. T'es plus comme avant. Là, je te regarde normal. Non. Il y a de la compassion maintenant. Non, je te jure, il n'y a rien. C'est ça. Il n'y a plus rien.